Isia Higelin n'est clairement pas fan du programme ni des méthodes d'Emmanuel Macron. En plein concert, la chanteuse n'a pu se retenir de partager son ressenti à propos de ce président qu'elle considère comme le pire que la France ait jamais connu. Son fantasme ? Qu'il soit accroché en l'air afin que les Français lui offrent un tabassage en règle. Après de multiples émeutes en France suite à la mort de Naël à Nanterre, Emmanuel Macron pourrait encore se voir une vague de haine après les propos de la chanteuse Isia Higelin qui s'est produite jeudi soir aux Nuits Guitare de Beaulieu-sur-Mer. Je le connais, quelle coquine celui-là, il s'est dit là, ce qui serait bien, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, si est-il qu'on m'accroche à 20 mètres du sol telle une piñata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange, a-t-elle déclaré face au public, faisant référence au film Orange Mécanique. Dans une vidéo postée sur le TikTok du magazine culturel Inou Côte d'Azur, on découvre qu'elle a également indiqué, et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont, là juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre batte avec nos petits clous, et dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment tu vois. Point je vois déjà le gros titre de Nice Matin demain, Isia appelle au meurtre de Macron, a ensuite ironisé la chanteuse. D'ailleurs en fin de concert, les gendarmes se sont présentés pour l'interpeller mais n'ont pu réussir à mettre la main sur elle. Les gendarmes m'ont expliqué qu'il était là pour interpeller l'artiste. Ils n'ont pas pu y parvenir, elle aurait été exfiltrée dans son bus. La réglementation fait qu'on ne peut pas y rentrer comme ça. Il y a eu de longues palabres entre le manager et la gendarmerie, a expliqué le maire de Beaulieu Roger Roux à Nice Matin, je n'arrive pas à y croire. Point la chanteuse est depuis visée par une enquête ouverte par le parquet de Nice pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Si est-il la brigade territoriale de la gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer, Alpes-Maritimes, et la brigade de recherche qui sont saisies de l'enquête, a précisé le procureur de Nice, Xavier Bonhomme, confirmant une information initiale de Nice Matin. Il a ajouté que l'enquête ne faisait pas suite à une plainte.